smoke an OG. And you know me, my 2-3s and my goatee. Bet you're smiling, bet you see me from the nosebleed. I'm the new 3 and I change. Salut à toutes et à tous les gars, c'est Simzo. Comment allez-vous? Comment ça va? Super bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars sur la Aria Clan. Donc à vous de présenter le gameplay et le sujet les gars. Donc on va se fixer un objectif d'atteindre les 400 likes sur cette vidéo les gars. Je sais que vous en êtes capable et d'atteindre les 23 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc les gars, vous demandez c'est qui. Voilà, je me présente. Donc je m'appelle Simzo les gars, je suis player dans la Aria Clan. Donc voilà, je suis un tout nouveau dans la Aria Clan. Voilà, je suis player. Donc j'ai fait de nombreuses teams comme la Obscure Clan, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je tiens à remercier Panda et Athelium de m'avoir recruté dans la Aria Clan. Donc je me sens bien dans cette team. Franchement, il y a une bonne ambiance. Je trouve que cette team est une très bonne team les gars. Donc voilà, bon, vous demandez pourquoi un player, bah j'étais une exception les gars. Donc voilà, franchement, j'ai eu beaucoup de chance de base, l'Aria Clan me voulait pas, mais au final m'a pris. Donc franchement, ça me fait énormément plaisir. Et pour ceux qui veulent rentrer dans la Aria Clan, donc on a fait une vidéo, donc on recrute que des streamers. Bref, pour tout ce qui sera du gameplay, ça va être un World First. Donc voilà, on vous enchaîne deux World First. Hier c'était le World First de Panda, et aujourd'hui voilà, ça va être un putain de World First qui est une Knocked Out, donc un titre explosé qui est une nucléaire en mêlée générale. Donc voilà, je l'ai mis avec le Brico Pistol. Donc voilà, c'est le premier, déjà j'étais le premier FR et j'étais le premier au monde à l'avoir mis encore, voilà, en normal, parce que le best player coréen, je sais plus quoi, l'a mis en hardcore. Bref, voilà, donc je vous ai un peu présenté le gameplay. Donc voilà, c'était dans la map Redwood, hein. Voilà, bref, donc voilà, les gars, aujourd'hui je vais vous parler un peu du Brico Pistol, qui est une arme DLC. Donc pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, c'est une arme qui met beaucoup de bullshit, mais qui est très dure à manier, parce que voilà, c'est une arme qui va tout droit et qui descend après. Franchement, au bout d'un moment, j'ai eu vraiment du mal à taper la nuque avec. Donc j'ai tenté plusieurs fois. La meilleure chose, le meilleur moment où vous pouvez jouer en mêlée générale et trouver de bons accueils, c'est aller vers les coups de 3h, 2h du matin. Vu que c'est les vacances, profitez-en les gars. Donc en fait, j'ai eu un peu de chance, parce que voilà, l'accueil, on va pas se mentir, il était pas très infâme. Les PR, il y avait que des niveaux 5, 1, 21, etc. J'ai vraiment eu de chance. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en partie avec des amis. On m'a dit comme quoi les paramètres ont été modifiés. Donc ça veut dire que la partie, la game n'a pas été rejointe. Donc j'ai eu beaucoup de chance au niveau de ce gameplay-là. Après, le Brico Pistol, voilà, c'est une arme très difficile à manier. Il faut que vous tirez à l'avance. C'est comme une Nick Shadow Claw, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, c'est très dur à manier, et surtout les gars, faites très attention, parce que voilà, c'est l'arme en elle-même met des bullshit, mais bouge beaucoup. Il faut que vous soyez un peu précis. Donc les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube qui sera en description. Donc les gars, j'ai 450 abonnés, j'espère atteindre les 1000 abonnés avant la fin du mois. Je sais que je suis capable, parce que j'avais une chaîne de 2000 abonnés. Bon, bref, c'est toute une histoire. Bref les gars, je me suis assez présenté comme ça. Ma chaîne sera en description, etc. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne. Donc sur ce les gars, c'était Simzo, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gars.